Cet épisode, ça va être du duo. Aïe! Dans l'épisode précédent, Guigui est arrivé sur l'île de Kyushu. Il y a rencontré Rodolphe, son nouveau meilleur ami. Voilà, Rodolphe, très sympa, hein, super sympa. Il a aussi discuté avec des lycéens sur Sakurajima. Bonjour. 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 Voilà, bonjour. 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 La soirée s'est ensuite terminée à Kagoshima. Bienvenue à Kagoshima. Happy birthday to you. Pour finir, la nuit s'est achevée dans un aide-café. Mais ce qui attendait notre héros était encore bien plus fort et palpitant. C'était la fameuse île de Yakushima. Alors je suis actuellement sur l'île de Yakushima, une île qui fait rêver, à l'extrémité sud de Kyushu, donc tout au sud du Japon. Avec sa nature sauvage qui comprend à la fois montagnes, forêts et plages, Yakushima est une île époustouflante, reconnue comme un trésor naturel par l'UNESCO. Je vous emmène donc explorer ça de plus près, en plein cœur de l'île de Yakushima. Avant de s'aventurer loin du port, il est très conseillé de faire le plein de provisions, car vous ne trouverez absolument rien pour vous ravitailler loin des côtes. L'île de Yakushima a une superficie de 505 km, et une route permet de faire le tour en 3 heures de voiture. On y croise d'ailleurs de nombreux singes de Yakushima, les Yakuzalu. Comme il y a très peu de bus, j'ai dû prendre le taxi pendant environ 40 minutes pour me rendre à la forêt de Shiratani Unsuikyo, un endroit exceptionnel. Là, en partant, le taxi m'a donné des petits cadeaux, voilà, des petits porte-bonheur, très sympa, donc j'espère que ça va me servir, que je vais avoir de la chance, que je ne vais pas me perdre dans cette forêt infernale. Pour découvrir cette forêt particulière, trois chemins de randonnée sont disponibles et adaptés à chacun, une randonnée d'une heure, une autre de 3 heures, ou bien une dernière de 4 heures. Comme j'avais prévu de ne rester qu'une journée sur Yakushima et que le dernier ferry était à 17h30, j'ai choisi la petite randonnée d'une heure. Dès les premiers kilomètres, j'ai senti une ambiance particulière ici. J'étais totalement fasciné par la nature très sauvage de cet endroit. Contrairement au mont Fuji, Yakushima est une destination où l'on ne croise pas des hordes de touristes. On se retrouve facilement seul en pleine nature. On croise quand même de temps en temps d'autres randonneurs venus ici pour se ressourcer. Ce sont quasiment tous des Japonais. Plus on avance, et plus on pénètre dans le cœur de la forêt, un endroit que je rêvais de voir. La forêt de Shiratani Unsuikyo est en fait celle qui a servi de modèle pour le film d'animation Princesse Mononoke. Son réalisateur, Hayao Miyazaki, a d'ailleurs dit de cette forêt, même si elle a été modifiée par l'homme, la forêt de Yakushima a gardé quelque chose de sauvage. Les arbres y dégagent beaucoup d'énergie et donnent aux promeneurs le sentiment d'une présence, de quelque chose d'inconnu et d'effrayant. Auriez-vous l'amabilité de nous permettre de traverser votre forêt, petit être ? Il ne me plaît pas du tout cette forêt. Une fois qu'on y entre, on ne peut plus en sortir. La forêt de Yakushima est aussi célèbre pour ses arbres millénaires, les Yakusugi. Il s'agit de cèdres ayant plus de 1000 ans. Je sais pas si vous arriverez à vous en rendre compte en vidéo, mais en vrai, c'est vraiment impressionnant. Autre variété célèbre, le Himeshala, littéralement arbre princesse, est de couleur orangée et sa sève est froide. Lorsqu'il fait très chaud, serrer l'arbre dans ses bras permet de se rafraîchir. Mais l'arbre le plus célèbre de l'île est le Jomonsugi, un des arbres les plus vieux au monde. Une marche de plus de 10 heures permet d'accéder à cet arbre sacré. Cet arbre est magnifique. Je ne sais pas quel âge il a. Il doit être très vieux. Autrefois, les hommes et les arbres étaient amis. Bon, le chemin commence à se corser un petit peu. Ça devient un peu de l'escalade, là.
Honnêtement, c'est pas pour vous survendre le truc, mais en vidéo, ça n'a absolument rien à voir avec là en vrai. On a des millions de mégapixels de couleurs, mais je crois que là, ces couleurs-là, on les a pas. Hein. Pour le coup, je me suis perdu, je sais pas, je devais faire un chemin facile. J'avais prévu le chemin d'une heure, mais là, ça fait plus d'une heure que je suis parti. Je sais pas quel chemin j'ai pris, mais tant mieux, parce que normalement, ça, j'étais pas sur le chemin. J'étais complètement perdu, sans personne aux alentours, et je n'avais pas le temps de m'éterniser ici. J'avais déjà acheté un ticket pour le dernier bateau de la journée qui rentrait à Kagoshima. Je ne savais pas trop quoi faire, alors j'ai décidé de manger. Surtout n'oubliez pas de prendre des provisions avec vous. Hein. Il y en a marre de cette satanée forêt, ça fait des heures qu'on marche et on n'en voit toujours pas le bout. Dites, quand est-ce qu'on mange? J'ai trop la dalle. Et j'ai très soif aussi. Génial, une pomme. Ah, mais elle est dégueu. Alors regardez, là je me suis un petit peu perdu et en fait je suis allé assez loin. Donc moi ce que j'avais prévu de faire c'était ce chemin là, d'une heure. Et en fait là je viens de me rendre compte que je suis ici. Soit je continue jusqu'au bout, je rentre, soit je rentre tout de suite, sachant que j'ai pas trop de temps vu que mon ferry est aujourd'hui. Finalement, j'ai décidé de continuer la marche jusqu'au bout. Bon là je commence à grimper de plus en plus. À la base, j'étais pas parti pour ça. Vraiment, je voulais faire le petit chemin d'une heure parce que j'avais pas trop de temps. Mais là, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout. J'ai quand même pu croiser quelques rares personnes sur le chemin qui revenaient du dernier point de la randonnée. Et tu vois. Taïal. Ah. Et maman, toi, qu'est-ce que? Toi, Bats, Belgique. Ah, okay. Cinq ans. En avançant encore. J'ai également rencontré d'autres êtres, mais pas des humains. Je suis pas rassurée. Dis, t'es sûr que c'est le bon chemin? Ça devient de plus en plus lugubre par ici. Mais j'en sais rien, moi, je fais que suivre l'autre abruti. On est bien sur une île tropicale ici, pas vrai? Alors vous croyez pas qu'il y a des animaux sauvages, genre des tigres ou des panthères? Vous avez un peu qui nous retrouve en plein milieu de cette nature. La forêt de Yakushima étant très sauvage, on y croise de nombreux shika, appelés ici Yakushika. Contrairement à d'autres endroits du Japon où ils sont aussi présents, ici, ils sont très sauvages et ne viennent pas réclamer à manger aux hommes. On y croise aussi beaucoup de Yakuzalu, les singes de Yakushima. Bon, je suis bientôt arrivé jusqu'au bout. Il me reste encore ça à monter. C'est vrai que pour les derniers mètres, ça commence à être un peu dur. Ça vient plus de l'escalade qu'autre chose parce que c'est vraiment que de la montée. Mais après, il faut se dire qu'il y a tout le chemin de retour, du retour à faire. Mais bon, on va d'abord aller profiter tout là-haut. Après plusieurs heures de marche, je me suis retrouvé là, sur un rocher avec cette vue qui m'a coupé le souffle. J'ai pris le temps de savourer ce moment. Je ne voulais pas partir. J'aurais voulu rester dormir ici. Il était ensuite temps de redescendre et revenir au port pour rentrer à Kagoshima. Bon, la descente est moins éprouvante que la montée. C'est plus faire attention à pas tomber parce que ça descend raide. Et en plus là, je viens de voir là, il y a un petit shika juste en face de moi. Donc voilà, on va passer juste à côté. Ah, il veut pas me voir, il a peur. Bon, dommage, il a pas envie de me voir, ce qui fait que je vais rester toujours tout seul dans cette forêt. J'aurais bien aimé me faire un petit ami et pouvoir faire la descente avec lui, mais tant pis, je vais faire ça tout seul. Le chemin du retour est l'occasion de profiter à nouveau de la beauté de cette forêt, et cette fois, je n'ai pas croisé une seule personne sur le chemin. Le retour s'est fait beaucoup plus facilement, j'avais l'impression que ma fatigue était chassée par la beauté de cette forêt, que certains considèrent comme ayant des vertus à la fois spirituelles, mais aussi pour la santé. Comme c'est étrange. Voilà soudain qu'il est plus léger. Mon bras, mais j'ai plus mal. Je suis guéri. Voilà, enfin descendu. Alors, il est 18h30, le dernier ferry est... enfin, le dernier bateau. Il était à 17h15, donc je vais devoir rester, c'était pas prévu, mais je vais devoir rester cette nuit sur l'île de Yakushima. Alors, petit problème, il n'y a personne à l'accueil, personne aux alentours, aucune voiture, rien du tout. Donc je ne sais pas comment je vais faire parce que même pour retourner au port, ça prend au moins, je dirais 4-5 heures de marche pour retourner au port à pied.
Donc, je ne sais pas, je voulais faire du stop, mais il n'y a pas de voiture. Je me suis retrouvé absolument seul, perdu en plein milieu de cette île immense. Il n'y avait rien aux alentours, à part cette route déserte que j'ai commencé à suivre. Il n'y a vraiment personne de chez personne, j'ai l'impression d'être seul sur cette île. Voilà, ça laisse pour l'instant rien présager de très bon. J'ai 15 minutes que je marche, toujours aucune voiture. En fait, je risque pas d'en croiser une parce que tout simplement, l'autre côté, je suis allé voir et c'est un cul-de-sac. C'est juste un parking pour que les gens puissent ensuite aller faire la randonnée. Donc comme il n'y a personne qui vient, il n'y a plus personne qui vient, donc je risque pas de... Oh, ah non. Faux espoir. Avec la fatigue et toutes ces heures de marche, je commençais à avoir des hallucinations, à entendre des bruits de voiture. Bon, j'ai pas mal de chemin à faire, donc pour en passer le temps, je vais vous raconter une petite blague. Que fait une vache les yeux fermés ? Du lait concentré. Bah alors, ça vous fait pas rire ? On est mort. Aucune voiture, personne. Absolument personne. Je suis tout seul. Je voulais de l'aventure, pour le coup j'en ai un. J'étais pas obligé d'aller jusqu'au bout de la randonnée, j'aurais pu rebrousser chemin et aller prendre le ferry. Mais je me suis dit que c'était bête. C'était bête de rentrer. Parce que je pense pas retourner sur Yakushima avant un bon moment, voire peut-être jamais, même sûrement jamais. Donc j'avais envie de profiter un maximum. Mais là ça commence à être un peu difficile quand même, je vous le cache pas. Donc j'espère vite trouver une autre route que celle-là, avec du monde. J'ai continué à marcher pendant une bonne heure, et la nuit commençait à tomber. Je suivais toujours cette route déserte, et je commençais à me faire l'idée que j'allais passer la nuit dehors. Mais le porte-bonheur que le taxi m'avait offert a fait son effet. Un miracle s'est produit, une voiture est sortie de nulle part. Il s'agissait du dernier gardien de la forêt qui rentrait chez lui après le travail. Alors finalement, il y a une voiture qui est passée. Personne qui travaille à Yakushima. Il m'a pris heureusement parce qu'en fait j'en avais pour au moins 5-6 heures, voire plus. Et donc il m'a amené chez un ami à lui qui tient un hôtel. Donc là je suis dans la chambre d'hôtel. Et donc j'ai parlé un peu avec les clients et on va aller manger ensemble ce soir. J'ai rencontré deux jeunes de Kagoshima qui étaient venus ici en transportant leur voiture sur le ferry. Je crois qu'on va bien manger là. Ouais, Toby Wall, jamfish. Jamfish. Attaché tankatsu, écolé, ebi fried. Ebi fried. Big shiso. Big ebi fried. Deka ebi fried. Cette journée éprouvante, j'étais très heureux de pouvoir me reposer dans une chambre aussi belle. Surtout que le prix était vraiment dérisoire. Voilà, finalement, tout est bien qui finit bien. Je vais pouvoir dormir au chaud. Et donc, repartir demain de Yakushima. Par contre, j'ai super mal aux pieds. Pour cet épisode, je vous propose de rencontrer Aki et Liu, les deux japonais de l'hôtel avec qui j'ai mangé. Bonjour. 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 Je m'appelle Aki. Je m'appelle Liu. Nansai? 23歳. 彼女募集中。彼女募集中、2人とも。彼女がいない。電話して。何は一番好きな日本の料理? うなぎ!
Unagi. 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 Watashi wa sashimi tsuke don, katsuo no tsuke don, shoyu ni hitashita. Very good. Sugoku oishii. Nani wa ichiban suki na Nihon no basho? Kagoshima. Nihon wa Kagoshima ga subarashii yo. Kagoshima kite ne. Kagoshima no Makurazaki ってとこの日の神、日の神、日の神、ろうそく岩っていうところ、すごくいいところ、大きい岩があって、ギリも気に入ると思うよ。フランスのしてることは何？パリ、うん、パリの、凱旋門、あれパリ。あれしかわからない。外国あんまりわからない。エッフェル知ってる？ああ、エッフェル塔。エッフェル塔知ってる。あ、フランスパン。フランスパン。フランスパン大好き。日本の嫌いものは何？ゴキブリ。ゴキブリ。コクローチ。先週。私はもう昆虫全部ダメ。虫、虫全部ダメ。虫全部ダメで、もう食べ物は。ニガウリ。嫌いな場所？嫌いな場所ある？日本で、うん、うん、ない、日本は全部好き、うん、嫌いな場所ないね。夢は何？公務員。公務員は先生とか警察官とか、あ、消防士とか。将来、水上警察になる。素晴らしい English teacher。 Great English teacher。 ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ウェルカム、どういたしまして。またね、またね。Pour ce mot de la fin, un mot qui résume parfaitement cet épisode。自然。ナチュラル。C'est avec cette fin heureuse que s'achève cette saison 2 d'Ichiban Japan. Ichiban Japan! T'entends pas ou quoi? Toto Poinfo! Tu peux être méchant, tu sais, tu peux faire arrête avec Tokyo. Méchant? Ouais. Ok. Arrête avec Tokyo. Si tu aimes Ichiban Japan, partage la vidéo. Si tu aimes Ichiban Japan. Allez, non. Quand est-ce le Tokyo Watashi? Ajimaru. Bonsoir. Saigo, saigo. RT. Tu aimes bien la moule? Oui, j'aime bien la moule. En toutes circonstances. Arrête avec Kyoto. Ichiban Japan. C'est quoi ça? C'est de la merde.